Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle présentation d'un t-shirt qui nous a été offert à mon père, ma soeur et moi-même. Un t-shirt Adidas classique et super cool qui est chiné. Enfin, vous allez le voir de toute manière, je vais le porter juste après. On se retrouve tout de suite pour le t-shirt Adidas. Donc voilà les gars, on se retrouve avec le fameux t-shirt. Bon, il est un peu grand, c'est vrai, je crois que c'est du XL. Moi, je porte du S ou du M maximum. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu grand, mais bon, ça passe. Hein. De toute façon, c'est un t-shirt assez classique. Donc il n'y a pas forcément de façon de le porter. Voilà, ça peut très bien descendre en mode oversize, même si c'est très, très carré sur la fin du vêtement. Mais sinon, ça dérange pas en soi. Après, il faut éviter de porter aussi des sortes de jogging qui collent vraiment aux cuisses. Si vous avez des jambes très très fines comparées aux hauts, par exemple. Si vous mettez un haut large, vous mettez un bas... assez serré, ça risque de pas trop le faire. Je vais vous montrer la coupe tout de suite, voilà. Comme vous pouvez le voir, hop, au niveau des manches, c'est impeccable, il n'y a rien à dire. C'est pas trop grand, c'est pas trop large, c'est impeccable. C'est un t-shirt qui se laisse vraiment porter, qui est léger, qui est plutôt léger. Au niveau de la matière, c'est plutôt cool. Ça porte chaud, mais c'est léger et ça reste fluide. C'est assez fluide. Le fait que ce soit large comparé aux vêtements que je porte d'habitude, bah ça donne cet effet fluide. Voilà, pour ceux qui croiraient pas que c'est Adidas, hein, c'est pas du fake. Sincèrement, ça passe très bien, même s'il est plus large, même s'il est plus long que la moyenne de mes t-shirts. Moi j'aime bien, c'est Adidas, c'est classique. C'est très, très basique, très simple, sans vouloir de copyright pour rester. Je vais vous faire ça à l'ancienne, hein. Je vais vous présenter un petit OOTD. Bon, par contre, j'ai pas choisi la méthode que je vous avais pas conseillée au début. Moi, j'ai fait tout le contraire, alors je sais pas pourquoi je vous ai dit ça au début, mais je me suis permis, voilà, malgré que j'ai pas des grosses jambes, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai pas forcément des grosses jambes, mais voilà, j'ai décidé quand même de suivre un peu... ce côté large en haut, mais assez comment dire, collé sur le bas. Donc j'ai choisi aussi des petits NMD R1 de chez Adidas, bien évidemment. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez d'une petite tenue comme ça, donc avec un haut large et un bas assez serré, tout simplement. Donc voilà, je voulais retourner un peu aux sources, refaire des petits OOTD à la fin des vidéos. Je vous propose ça maintenant, tout simplement. Et aussi, si vous voulez une autre tenue, vous avez juste à choisir un petit jean tout simplement et puis ça passera correctement. De toute manière, avec ce genre de t-shirt assez classique, vous n'avez pas à vous prendre la tête pour des tenues. Il suffit juste de trouver un bas qui va avec la couleur du haut, etc. Des petites baskets, hop, tranquillement. Et puis voilà, c'est des tenues décontractées, t'as pas forcément besoin voilà, de te la jouer classe, de la jouer streetwear ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment une tenue vraiment basique dans laquelle tu peux aller en cours, tu peux sortir, tu peux aller faire ton sport, tu peux rester décontracté chez toi tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors c'est vrai que je retourne un peu aux sources, mais j'ai pas envie d'en refaire forcément comme avant, présenter comme avant. Donc je vais beaucoup plus travailler sur ça pour l'année 2018. J'espère revenir sincèrement en force et tout simplement j'espère que la vidéo, ce genre de vidéo là, assez simple, pas sur un vêtement forcément extravagant ou avec une puissance de marque ultime et énorme comme on peut avoir maintenant avec le Bape, Thrasher, Champion, voilà les marques comme ça. Et bah voilà, j'espère que ça vous plaît quand même et que ça ne vous dérange pas malgré que ce soit du classique encore une fois. Je pense pas, je pense que voilà, ça fait quand même partie du clothing, hein, de toute manière c'est un t-shirt, donc ça fait partie du clothing. Donc je vous fais plein de gros bisous encore, merci pour la motivation et tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, peace, mais pas sur moi. Pouh.